Et yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Ah oui, c'était pas le bon écran. Alors, bon, j'ai un petit peu avancé la construction de tout ce qui est production, partant de tout ce qui est vis, tout ce qui est plaque de fer. J'ai fait tout ce qui est acier, enfin tout ce qui est acier. Une bonne partie de ce qui est acier. Donc tuyaux et poutres. J'ai fait là-bas les fils de cuivre et les tôles de cuivre. Voilà. Et là, bah, il manque plus qu'un truc au niveau des. Enfin, on va dire. Il manque plus que une ressource à faire avec à partir du minerai de fer brut. Ça va être les tiges de fer. Donc on va faire de la tige de fer et j'ai découvert quelque chose de magnifique, de génialissime. Je peux dire ça s'appelle le modeler Fixit. Là-dedans, j'ai créé un plan. Hop, 5 largeurs, 2 longueurs, enfin une ressource V2, enfin bref. Qui fait que, en gros, j'ai enregistré ce plan-là. Et grâce à ce plan, si je le mets au bon endroit, c'est là. Si je le mets au bon endroit, en fait, j'ai un pattern qui va être répétable. Et au lieu de faire, ok, j'ai une longueur, puis je continue deux longueurs, faut que je place les convoyeurs, faut que je place comment ça s'appelle, les constructeurs, faut que je... Enfin, c'est chiant. Hop, j'ai juste à placer mon plan. Sur la première longueur, parce que là actuellement je le fais pour une longueur donc de 5, en gros 5 de profondeur plutôt. Alors, je le fais en 5 de profondeur et 2 de largeur, ce qui fait que je vais avoir 10 constructeurs. Donc, là je retire ça. Et là, j'ai juste à répéter ce que je viens de faire sans retirer les premiers convoyeurs. Hop, il faut juste que je le place bien. Voilà. Donc là, j'ai ma deuxième longueur qui va se faire. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Tout se place tout seul. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on est à 2 de profondeur. 3 de profondeur. De profondeur et on va faire le petit dernier. Cinq de profondeur, vous voyez hein, quand ça se construit. Au lieu que ça me mette facilement un quart d'heure, ça me met ça me prend je sais pas, une quinzaine de secondes max, allez. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à relier les parties entre elles. Alors j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour que ça se rejoigne, donc ça a été bon. Mais le problème, c'est que même si c'est relié, par exemple là, hop, même si là c'est relié, en fait tu n'auras pas le lien et ça s'arrêtera en plein milieu les ressources. Et ça c'est pas ouf. Donc là j'ai juste à joindre mes petites parties, enfin mes deux parties là, mais on va dire mes patterns entre eux. Donc il y a 10 convoyeurs 1 mètre par pattern. Donc on répète, je crois qu'il doit y avoir en tout à les relier, ça va faire 4. Donc en gros j'ai 40 convoyeurs 1 mètre. Alors que sur tout le long, j'aurais dû placer les convoyeurs, les pylônes, les machins, les trucs, les bidules, les... c'est un gain de temps, vous imaginez même pas. Merci à Divi hein, pour cette petite astuce. Il m'a dit, mais si t'essayes de faire comme ça va marcher. Je fais, ah, je sais pas trop. Je sais pas trop si je peux faire répéter les patterns, etc. J'ai essayé, ça m'a pris une demi-heure. Et une heure à tout péter, et on prend de la marge. Et là, ça fonctionne pas trop mal. Hein. Là, c'est un gain de temps de fou. Hop. Donc, je continue. Bon, il n'y en a vraiment pas pour longtemps.
rapide et efficace. R-E-E. Hop. Allez, plus que le dernier. Voilà, on est sur la toute dernière rangée. Et on va voir combien de temps ça nous aura pris quand j'aurai terminé. Oui, ça. Je crois que j'avais foutu ça dans le plafond, ça m'arrivait une fois. Dans mode, bah merde, c'est parti. Et voilà, début de la vidéo il y a 5 minutes. Le temps que je vous fasse visiter quelques trucs. Et on a fait déjà, que je pose aussi, que je relis. Et on a fait 5 longueurs, on a posé 10 convoyeurs qui sont totalement... comment je puis dire Bah il y a les ressources rentrantes et les ressources sortantes. Le seul truc que je dois faire, c'est poser les poteaux. Et alimenter ça en électricité. Hop, pour ça. Pas très compliqué. Moi je suis un flemmard, voilà, ça se répète, c'est pas économique, etc. Je suis totalement d'accord, je veux dire, avec vous. J'allais dire je suis très d'accord, mais bon. Alors que je fasse des efforts pour pas limer la France, parce que là c'est compliqué. On configure. Voilà. Ça s'alimentait. Ah ouais, ça alimentait d'où ça? Je l'ai fait alimenter d'où? Ah ok, ouais, c'est alimenté ici. Hop, on continue la configuration, bien évidemment. Ça a été branché. Ah ouais, non, d'accord, je l'ai branché comme ça. Hop, on fait passer le poteau, on branche, on fait passer le poteau, on branche. Alors oui, je pourrais brancher sur... hop, vous voyez. Non, attendez, vous voyez pas encore. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer, là je peux brancher sur, sur le plafond. C'est vrai que je m'en sers pas. Mais je pourrais totalement... Je sais pas si ça fait de l'économie de ressources. Je crois que c'est pas rien. Ouais, oui, c'est pas très très important. C'est vraiment le même nombre de ressources. Encore, ça en consommerait moins parce que bah il y a un peu une grosse partie en moins, quoi. Je dis pas non. Mais là... Hop, là les poteaux ils sont déjà placés. Donc il faut juste que je les configure et que je les relie. Hop là, on relie. Tac. Tac. Tige de fer. Oui, c'était tige de fer normal, c'est pas alternative. Alternative, ça me consomme de l'acier. Là-bas, il n'y a plus qu'à faire l'arrivée de la matière première. Là, je l'ai posé ça ici. Donc, il faut que je divise par 2, que je redivise par 2, que je redivise par 3. Et pour trouver 10 avec en divisant que par 2 et par 3, c'est de la merde. Donc je suis obligé d'arriver sur 12. Bon, ceci. Donc on redivise une fois par 2. Normalement si je me trompe pas, là je peux rediviser par 2. Oui, et là il me faut rediviser par 3. C'est pas très symétrique tout ça. Comment je me suis démerdé pour faire cette symétrie là, moi? Je sais pas ce que j'ai foutu. Honnêtement, je sais pas du tout ce que j'ai foutu. Comment j'ai réussi à faire ça, moi? Ah, c'est pas bien grave. Ah, on est comment par rapport à ça? On est vraiment en face. Ok. Ok, ok, donc là et là, ouais. Tac, 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 oui. Divisé par 2, divisé par 2, et là, on divise.
Alors, est-ce que là c'est bon? Je crois que c'est pas bon là, il faut que je me rapproche d'un. Divisé par 3, ce qui fait que là, hop, voilà. Là, il n'y a plus qu'à faire rejoindre nos convoyeurs. Oh, pardon, dis donc, j'ai la voix qui est un peu prise. Hop, voilà. Un petit dernier. Bon, on a un qui est libre, c'est pas totalement équilibré, c'est divisé par 2, divisé par 2, divisé par 3, moins 1. Mais bon, faut pas chercher. Et. Là, on peut faire comme ça, comme ça. Voilà. Qui fait que là, on a tout qui est relié. Est-ce que c'est branché sur le secteur? Il va m'en manquer un qui n'est pas branché, je pense, sur le secteur. C'est lequel qui est pas branché? C'est celui-là. Je l'ai pas branché où il faut, là, vous voyez, je l'ai branché sur le plafond. C'est pas alimenté? Comment ça c'est pas alimenté? C'est alimenté, on est d'accord, hein? Pas du tout. Bah. C'est branché à ça, c'est branché à ça, c'est branché à ça. Et celui-là, il est branché à celui-là. Ah bah non, j'ai pas alimenté le bas. Celui-là, il est pas alimenté, c'est normal que ça fonctionne pas encore. Donc, on n'a plus qu'à relier. Voilà, il y a tout qui va bien se placer. Un peu comme là sur cette partie-là. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas un truc pour. Je sais pas où c'est. Architecture, non? Mur? Voilà. Y a des choses. Hein. J'en ai débloqué et encore, je suis sûr que là, je dois avoir 50 000 tickets qui traînent. Quoique, honnêtement, j'en ai pas pris tant que ça non plus. Voilà. Je pourrais mettre des lampadaires, des plafonniers. Ah ouais, mais oui, des plafonniers. Oh, mais attends, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Oui, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bon, on va attendre que ça finisse de se placer. Bon. Et on va voir comment ça éclaire ça aussi. Hop là, allez, ligne électrique. Où est-ce que je le branche ça? C'est la bonne blague ça toujours. Et où est-ce que je peux brancher ce truc? Ici. Allez. Ah la vache! Ah ouais non mais. Alors ça éclaire. Hein. Non mais ouais, non mais enfin. C'est pas ouf l'éclairage, hein. C'est vraiment que sur un endroit. On va reprendre ça. On va tester, vas-y, lampadaire. Ça fera quoi au niveau éclairage? Attends. Je vois pas le haut de mon lampadaire. C'est terrible ça. Bon, je pense qu'il éclaire le mur là, enfin qu'il éclaire en dessus. Pas bien grave. Projecteur mural. Hein? Ok, ouais. Tour d'éclairage. Ah ouais, attends, what? Oh la taille du truc. Attends, what? Oh. Ah ouais, ça déconne zéro ça.
Ah ouais! Ah ouais! Mais ça éclaire bien ça! Ah je comprends! Ah ouais! Genre. Genre vas-y, je vais essayer d'en foutre une là, pour déclarer. Ah oui! Alors, c'est dans quel sens? Non, mais c'est toujours le même problème ça. Oui, c'est ok, c'est bon. Genre là. Par contre, je vais avoir besoin là d'un. Je vais tirer d'autres lignes. Ouf. Ah ouais, clairement, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est. Éclair sec hein, quand même. Je suis sûr que si je le mets encore plus en hauteur, ce sera mieux. Faudra que j'essaie. Genre, d'en foutre un là et de voir qu'est-ce qui éclaire. Oh. Une tempête de sable ou. Un truc chelou là. Alors, bon, voyons voir. Bon, par contre, ça fait. Oh là, oh la vache, l'éclairage, ça fait un peu. Ça fait un peu bugué, hein. Voilà, donc on a toutes nos. Toutes, non. Je l'ai peut-être pas paramétré celui-là. Allez, bingo. On a pas mal de tiges de fer. Lui non plus. Je vois que j'en ai un autre qui est pas paramétré. C'est. Celui-là. Ok, j'en avais deux qui étaient pas configurés. C'est pas un problème. On va vérifier que ailleurs ça soit bon. On a des plaques de fer. Bon là je peux pas aller checker sans ouvrir le truc. Ok, on a les plaques de fer. Et on a les vis. Oh, on a des vis partout là. Et ici. Ah bah ici j'avais oublié de. J'ai oublié une petite partie. Ce sont des choses qui arrivent. Donc on va le faire tranquille au bilou. Ça marche tout seul. Voilà. Là ça arrive. Là. C'est bon. Là. C'est bon. Et ben voilà. On récupère nos vis. Nos tiges de fer, nos plaques. On récupère nos poutres. On récupère nos tuyaux. Nos tôles de cuivre. Et nos câbles. Nos câbles, on a une chier. Hein. On est une future chier. Ah, et nos câbles, nos fils et nos tôles de cuivre. Voilà, j'ai fait des câbles aussi, pardon. Là, donc là, j'ai mes câbles. Et là-bas, j'ai mes fils. On récupère un peu du fil. Ça servira toujours. Et du câble également. Directement. Vu que j'avais de la place, je me suis dit, je vais le faire ici. Autant ne pas gaspiller de. Place. Je vais essayer de faire pareil avec les. Avec les poutres. Les poutres. Si je me trompe pas, j'ai. J'ai du. Voilà. J'ai du béton là qui peut arriver. Par là. Donc je le fais monter comme ça directement. Et bah faire des assembleurs, vous savez, poutre en acier plus béton. Je vais vous montrer si je peux. Je sais pas si j'ai les matériaux nécessaires. J'ai pas de câble, mais heureusement du câble j'en ai là-bas. Et je sais plus du tout pour moi il me faut par contre, hein, ça c'est. Hop, putain.
on va tout prendre. Et voyez, ça marche parfaitement, c'est magnifique. Allez, on va reprendre un autre, on va reprendre une autre centaine de, deux centaines de câbles. Ça devrait être bon. Alors, il me faut combien de poutres en béton armé? Il me faut deux producteurs, c'est tout? Sur mon produit commun, quantité produite 12. C'est vraiment pas beaucoup. Ça m'en fait deux drabes. Je vais en faire 4. Ah mais non, mais là ça me cassait ma prod. J'en produis combien de poutres en rab? Oh oui. Ouais, je vais en faire 4. Allez. Je vais en voilà. Je vais faire 4 poutres en béton armé. Enfin 4 producteurs de poutres en béton armé. Là, le souci étant, c'est qu'on part sur du... On part sur de l'assembleur, on part plus sur... Ouais. On part plus sur du constructeur. Donc on va essayer de configurer un nouveau plan. Grâce à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le modeler Fixit. Hop là, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a nos équivalents conteneurs, là, nos cases. Donc ça, un conteneur comme ça, ça fait une, ça fait cette case là, là, le tour de la case là. Voilà. On a du 4 sur 4. Moi, en général, j'utilise un 3 de largeur. J'essaie de faire 2 de profondeur. Mais je sais pas si avec les assembleurs, ça va être suffisant. Peut-être partir sur du 3 de profondeur avec les assembleurs. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai... une assembleuse en entrée, ça prend plus d'un largeur. Voilà. Avec les assembleuses, je vais essayer de voir si je vais en mettre 3 d'affilée, je vais peut-être pas en mettre plus. Les schémas du chevaucheur, ça va. Ah, il veut pas que je me mette là. Je vais avancer un peu. Je vais avancer l'assembleur, l'assembleuse pardon, de 1. Comme ça, ça se bouchera pas. Voilà. Et je gagnerai en place. Ensuite. Mais comment je me suis retrouvé? Mais non, c'est pas un problème en fait. Je sais pas si je suis foutu. Allez, on est reparti. Petite interlude, on a vu. Voilà, donc là. Tac. Tac. On met nos pylônes, donc nos pylônes qui arrivent à ce niveau. Là, on a que 3 pylônes. C'est pas des masses. C'est vraiment pas des masses pour le coup. Ah. Bon bah là je vais devoir mettre des pylônes comme ça. Peut-être commencer par le bout, ce sera mieux. Peut-être faire comme d'hab. Ouais, je vais faire comme d'hab. Je vais pas me perdre. Hop. En fait, les assembleuses, je vais les mettre au bout, ce sera plus simple pour moi. Ça change pas grand-chose, hein, sinon. Ouais, je vais les pousser le plus possible, comme ça.
comme ça, hein, d'accord. Ouais, comme ça on a l'arrivée, en fait je préfère faire la partie arrivée que la partie départ. Non, c'est pas le bon bail ça. Là, il faudrait que ce soit celui de la hauteur. Hop là. Est-ce que ça passe comme ça? C'est pas le bon endroit, mais sinon ça a l'air d'être correct. Ici. Non, ça va pas être bon, hein, d'accord. Sauf si. Non. Donc faut faire l'inverse. Hop. C'est que toi tu arrives là et toi tu arrives là. Ok, là on n'est pas trop mal. Je vais faire pareil donc en symétrie de l'autre côté. Toi en haut. Toi en bas. Ça me laisse de la place au milieu. Il m'en faut 3, ça va faire ouais, on va faire en sorte d'avoir 8 entrées à enfin, 8 convoyeurs 1, 4, 5, 6, 7, 8 sur le dessus quelque part facilitera la tâche. Ensuite il faut que je fasse la partie bifurcation, je sais pas trop comment j'appelle ça, mais en gros là. Parce que là on aura une sortie de convoyeur. Là il faut imaginer que là on a. Donc là on a une sortie. Voilà que ici et là. On a une sortie. Ouais, je l'ai pas bien mis. Ah. Et que là lui en fait il va vouloir aller choper. Choper de la hauteur, choper quelque chose derrière là. Qui sera. Sûrement un pylône d'ailleurs. On va leur choper celui du milieu. Ceux du milieu plutôt. Est-ce que là la bonne question, c'est là si je mets là, normalement c'est bon. Hein. Ah, j'en ai pas mis ici, dommage. Non. Imaginons que là je le mets comme ça. Hop. Hop. Ça, on dit, je veux que tu viennes là. Ah, ça m'a pas pris de bon côté. Ok. C'est trop proche. C'est trop proche. Pardon. Ah bah c'est terrible ça. C'est trop proche, ça a pas le temps de descendre. Voilà, comme ça c'est mieux. Tout décalé de 1, c'est pas très très grave, je pense que j'ai encore de la place. Hop. Hop. Toi, tu vas ici. C'est bon. Toi, tu vas venir là. Forme du convoyeur n'est pas adapté. De la hauteur. Ah, par contre que là ça aille pas là, ça me dégoûte un peu. Ouais si, bah si, bah alors what? Qu'est-ce que j'ai foutu?
Oh, ça doit être de l'autre côté comme d'hab. Bon, et là par contre, il aime pas, c'est trop. Mais il me faut absolument celui-là en fait, cet auteur. Il me le faut, il me faut qu'il baisse le plus vite possible. Je vais en rajouter quelques-uns, je vais voir quelle pente il peut prendre au mieux. Il peut prendre cette pente-là. Ouais. Bon, bah on va reculer encore. Là, j'ai un peu peur de manquer de place, honnêtement. Je l'ai pas mis ici? Ah ouais. J'ai oublié. Hop, toi. Bon, au moins, niveau pente, là, il devrait pas dire un petit problème avec les autres. Hein. Ok. Non, mon pattern, il est pas terrible. Mon pattern n'est vraiment pas terrible. Et je me demande si honnêtement, je ferais mieux de pas partir sur un 5 de longueur. C'est-à-dire au lieu de ça soit aussi fin au milieu, je vais. Ouais. Pourquoi je fais ça? Regarde, juste à faire vider le modeler. Hein. Voilà. Ah oui, bon, on va quand même récupérer ça. Non, on va le faire autrement. Je vais le faire autrement. Je vais faire comme ça. Une assembleuse là. Je vais prendre plus de place au milieu. Ça, c'est un peu le côté gênant. Mais si j'arrive bien à le faire en 5 de largeur comme je veux le faire, ce sera vraiment excellent. Ok, objectif, donc 5, 5. Je dois avoir 20 convoyeurs. Parce que. Non, 10. Ah non, il me faut 40. Oh! 40 convoyeurs. Oh les gars. Oh les. Oh les. Eh ben, il va y avoir du travail. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire très haut. Hein. 40 convoyeurs, j'ai peut-être du gourmand. Hein. 3, 4, 7. Là, on est à 14. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. 28. Ah, ouais, non. Même au niveau hauteur, je serais pas bon. Ah, même au niveau hauteur, je viens de me rendre compte, je serais pas bon. Je vais devoir le faire au-dessus. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 4 fois 7, 28. Et il me manque 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez la magouille, vous voyez la merde arriver là quand. Quand je vise peut-être un pouya. À peine trop grand. Vas-y, objectif de cet épisode, réussir ça. On a une heure. Oh merde, non, mais non, bah non, oui. En fait, pour réussir. Je sais pas comment je vais expliquer. Ah, je vais l'expliquer avec du plus petit. Je vais l'expliquer en faisant plus petit. Imaginons que j'ai 4 arrivées. On sait que. Voilà. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est même pas symétrique, c'est pas grave. A chaque fois, ça va être ceux du bord, par exemple les deux du bord, qui vont être consommés par un constructeur. Donc ce qu'il me faut, c'est que. Là, par exemple,
C'est la ressource fabriquée qui arrive. Et là, c'est la ressource pas fabriquée qui arrive. Donc imaginons que là, on a du fil. Non, là, on a du cuivre. Pardon, des lingots de cuivre. Et que là, on a du fil. Ça. Pardon, l'inverse. Que là, on a du fil. Et là, des lingots de cuivre. Voilà. Sur le milieu, on a du lingot de cuivre. Donc, la matière première. Et sur les bords, on a du fil. Donc, de la matière transformée. La matière transformée, elle doit se barrer. Donc, elle doit aller au milieu. Et la matière première, elle doit aller sur les bords. Bon, là, on fait croiser, hein, c'est moche, on s'en fout parce que c'est pour la démo. Parce que sur les bords, juste avant, par exemple, là, c'est le cas avec l'assembleuse, juste avant l'assembleuse, sur les bords, on va vouloir qu'il y ait la matière première. Et on va vouloir qu'à chaque fois, le pattern soit le même. Pour dire en fait à chaque fois qu'on fait du changement pour se dire sur les bords on a notre matière première, ce qui va nous sortir du bord elle va rentrer à l'intérieur et petit à petit elle va se stocker entre guillemets. Bon, avec 4 c'est pas possible parce que on va essayer de faire plus. Bon, imaginez que ça c'est voilà, imaginez que là ça c'est que pour un seul côté, on aura pareil en symétrie de l'autre côté, mais voilà. On a la matière première. La matière première, elle se barre. Mais tout le reste va se rapprocher en. Même pas la. Oui, c'est pas la matière première, mais. Ça, c'est pas la matière première, pardon. La matière transformée se barre. Tout le reste, à contrario, va se rapprocher. Oui, c'est comme ça. Hop, comme ça, et lui, bon, lui, comme ça. Ce qui fait que si on répète ce pattern, on rappelle, le constructeur est sur la gauche. Je le fais pour un constructeur, hein, je le fais pour un truc sympa là. Dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Si on répète notre pattern, alors lui, il arrive là. Donc, ça, c'est notre produit fini. Lui, il arrive là. Ça, c'est encore un de nos produits finis. Attends. Je suis pas trompé. Pardon. Lui, il arrive là. Oh, le salaud, il m'a fait une feinte. Lui. Voilà, il arrive là. Donc, ces deux-là sont des produits finis. Lui, il arrive là. Et lui, il arrive là. Bon, après, voilà, on imagine que ça se croise pas, c'est bien fait, etc. Bon, ça fait que c'est un sacré merdier, là, à première vue. Mais on a nos deux produits finis qui sont ici et ici. Sachant que ça devient un produit fini. Que lui, c'est le dernier à pas être un produit fini qui arrivera sur la gauche. Enfin, voilà. En fait, voilà, il faut trouver une répétition stable. Mais du coup, qui se fasse partout, qui se fasse même quand notre produit n'est pas utilisé. Là, on se dit, ouais, mais c'est chiant parce que là, par exemple, j'aurais pas besoin de le bouger, ça sert à rien. En fait, si j'arrive à trouver justement ce dit pattern, je trouve un plan à faire avec ça. Et j'ai juste à poser mon plan et j'aurai aucun problème. Donc là, on disait, vu qu'on veut le faire sur 5 de longueur. Il me faut 10, pardon, il me faut, ça me fera donc 2 fois 5, ça me fera 10 assembleurs. Un assembleur, c'est 2. Ah, mais voilà, mais c'est pour ça que je me suis gouré. C'est bon. Un assembleur, c'est 2 matériaux en entrée. Donc là, déjà, on va en supprimer un paquet. Hein. Parce que je me disais aussi, c'était chelou quand même, 40. Hein. Donc, ta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 , voilà. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. On est sur 20. Là, on est à 21. Donc, le mieux. Ah, ça va être chaud. Voilà. Je vais essayer de retirer celui du milieu. On va voir si ça marche avec celui du milieu. En retirant celui du milieu.
Et le but, c'est que ceux qui sont finis là, progressivement, donc ce sera sûrement eux, ils vont donner ceux qui sont finis, ce sera sur le haut. Je vais voir si je peux les faire venir sur le haut. Donc les deux du haut, ceux-là et ceux-là. Que progressivement, ils avancent vers le milieu. Et que le milieu, progressivement, ils repartent vers la gauche. Enfin, ça va être un sacré bordel. Ok. Donc, on va poser tout ce qu'il faut. On est à peu près bon là. Ah, ici ou là? Je vais mettre là. Je le décalerai en cas de besoin. Non, c'est pas ce qu'il me faut. Un, deux, trois. Voilà. Donc, ça et ça, en gros, les deux là, sont de la matière terminée. La matière terminée, je veux qu'elle jarte. Grosso merdo, je veux qu'elle jarte là en fait. Et je veux à l'inverse que ça aille là-bas. Donc ça, admettons, on va vouloir que ça se rapproche. Et en même temps, on veut que ça soit alimenté par quelque chose. Donc lui. Exemple, le but ce serait de le mettre ici. Ça c'est trop rapide. Mais par contre, lui, dire que lui il vient là, c'est pas un souci. Sachant que les deux points d'alimentation ce seront ceux-là. Là, ça peut être bien. Ce qui peut être facile déjà pour commencer, c'est faire en sorte que ces deux-là soient alimentés par ceux qui sont juste à côté. Enfin, je dis ça, ça va pas être faisable. Là, le but c'est ce qui arrive soit en face. Mais là j'en ai deux, là, et les deux ils vont devenir quoi? Parce qu'il faut aussi prévoir la manière dont on va le relier dans l'autre sens. Ça, sachant que ça sort. En fait ouais, je vais avoir plusieurs points. Je vais avoir ce point là. C'est bien, ça va me permettre de diviser mes tâches. Mais en fait, il faut prendre en compte que genre là, autre chose. Donc, par exemple, là, ça ira comme ça. Non, on avait dit que ça irait plus loin. On a dit que ça irait plus haut. Ça, on avait dit comment ça? Tac, tac, ok. Et ça, le plus proche, c'est ici. Ok. Bon, on fait petit à petit. Voilà. Donc ça, on a là. Ça, on est comme ça. Donc l'alimentation est là. Là, l'alimentation. Ici. Voilà. Déjà, on a deux. On a quatre de placés. Oui. Allez. Encore 16. Ce qui fait forcément que là, on va 5. Il
c'est où il faut lui. Ah, lui non plus. Et voilà. Ok. Ok. Mais là et là, on veut que ça soit alimenté d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut faire tout simplement? Oui. Et. J'arrive pas à choper celui qui est ce que je veux. Et ça. On peut. Ce qui fait qu'on a déjà nos deux premières alimentations. Là et là, on avait dit on garde, ça va être leur tour. Attendez, je vais faire pareil de ce côté-là. Donc là, on avait dit. Là, ça va là. Et ça, ça va là. Ça, ça me va. Lui, il faut obligatoirement qu'il change aussi. Lui, il faut pas qu'il soit au même point. Parce que là, c'est une arrivée. Là, on va le voir pour le faire baisser. Donc là, les deux premiers, ils baissent simplement. Ça va pas être bon. Merde, comment je remonte? Comment je remonte? Pourquoi ça va pas être bon? Parce que là... En fait, cela... Ils doivent se barrer sur les côtés. Comme je vous disais, ici ça va être l'arrivée. En fait, ici, grosso modo, on va reprendre ce qu'il y a à la sortie là. Voilà. Donc ça, le mieux, ce serait. Ça, le mieux, ce serait de faire ça. Mais. C'est un pouilla violent et ça traverse tout et ça bloquerait le reste. Et ça, c'est pas terrible de faire ça. Bon, déjà, ce qu'on peut faire, c'est ça. Je pense que ça, on peut faire sans trop de crainte. Bah, si. Parce que lui, il devient quoi, lui? On le met là? Bah non, on peut pas en plus, on le met là. Là ça croise, c'est dégueulasse. C'est compliqué là. Encore les autres ça allait, mais là c'est un peu compliqué. Et ça se trouve c'est tout simple en plus. Ce que je peux faire c'est tout simplement décaler, c'est dire là ça va là. En fait faire un double décalage, c'est-à-dire que là j'ai un décalage, et là entre là et là j'ai d'autres décalages. Ça va finir comme ça à mon avis. C'est pas chouette, mais c'est comme ça. Le mieux. Ouais, mais non. Réfléchissons. Ah, c'est la pleine ébullition là, c'est un... Que ça, on est d'accord au début, c'est tout simplement une alimentation. Et là, on peut pas. Et là, ça va être une sortie. Ça va être une prochaine alimentation. Ce qui fait qu'alors, si là, j'alimente là, cette sortie-là, elle va devoir se barrer. Et c'est pareil ici. Et là, par exemple, je fais en sorte que ça soit. Que ça aille là. Ces deux-là vont devoir se barrer plus loin. Et là, ces deux-là, on a un qui devra aller là, par exemple. Et l'autre qui devra aller à côté. Mais c'est vachement loin, ça fait tout couper là, c'est pas pratique. On va retirer cela, on va voir ce que je peux faire.
Non, non, celui-là on peut pas le retirer. Là pour le coup c'est vraiment les deux seuls. Les quatre seuls dont je suis sûr c'est ces deux-là et les deux autres à l'opposé. Forcément. Et si tout simplement je demande de décaler comme ça. Comme ça. Là j'en mets genre un comme ça et un autre comme ça. Déjà ça passe au niveau de l'inclinaison. Déjà comme ça passe. Là ça décale de 1 à chaque fois. On avait dit mais en fait on a 4 alimentés vraiment. Donc là 1, 2, 3, 4. Oh. Ah, ça m'intéresse là. Ah mais le premier il sera pas vraiment prêt. Donc là c'est 1, 2, 3 et il m'en faudrait un quatrième quelque part. Là ça va être le piège. Parce qu'en fait il faut aussi que ça descende à un endroit. En fait, il faut que lui, là, genre par exemple, genre il faudrait que celui-là, il aille là. Et que là, ça arrive à la place de celui-là. Ah mais là, on décale que un truc, ça va pas être bon. Hop, pardon, pardon, pardon. C'est pareil, mais ça c'est de la merde. Pourquoi j'ai mis. Pourquoi j'en ai un là? Pourquoi j'ai fait ça là? Non, non, ça devait être retiré ça. On va essayer de faire l'inverse. Donc là, j'en ai. Alors, on va dire, j'en ai trois sûrs. Trois autres sûrs. Là, c'est. Kiff, kiff. Un. 2 et lui je pourrais le mettre là. Ce qui fait que lui hop est repris là, hop est repris là, hop est repris là. Donc on a trois alimentations, donc une 2, 3, il m'en faudrait une dernière, donc il faut que là, ça j'aille le choper quelque part. Genre par exemple, non, je peux pas ici. Ici, je sais que je peux pas. Donc ça, il faudrait qu'il soit ramené quelque part. Mais ouais, mais non. Si, c'est bon. Parce que eux sont renvoyés, donc. Ah, c'est peut-être là justement que je peux envoyer. À partir de là que je peux renvoyer parce que là on a le premier, on a le deuxième, là ça vide, non mais on a le premier c'est ça, là on est rentré, ok donc ça lui il est bon, lui il arrive là, donc là on a une première anime qui sera à ce moment là, ok 1 2 3. Bon. C'est bon, là, je suis en train de me perdre. C'est terrible. C'est terrible. Ça demande un taux de concentration, ce bordel. Je pense que ça s'entend. Il me faut vraiment mon quatrième. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous pour l'instant. Le quatrième, en fait, il faut qu'il arrive. Ici. Ouais, quatrième, ça peut être celui-là. Hein.
simplement celui-là. Non plus. Non plus. Surtout que en fait je pars sur une mauvaise base. Si vous vous souvenez, j'avais compté là. Je me suis dit, oui, il en faut 20 en tout des convoyeurs, enfin des pylônes. En fait, il en faut pas 20 parce que les deux premiers seront alimentés, mais sans tout ça. Donc il faut que j'en retire 4. 1, 2. Je vais les garder absolument. Normalement, hop, si je retire ça, 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait j'en ai 8 à alimenter. Donc 8 x 4, non 8 x 2, 16. Normalement je dois en avoir 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui c'est ça. Toi là-bas je t'ai vu. T'as vu, mais j'arrive pas à te... Voilà. Donc déjà, on va partir sur de meilleures bases. Ce qui fait que ça... Que lui, là... doit être alimenté et que là mince je partirai là, tu m'étonnes que je m'y paume. 1 2 3 4 donc ici, enfin là bas plutôt, doit arriver quelque chose qui puisse ok. En fait, on a deux choix, soit je fais dans le sens d'arrivée, soit je fais dans le sens de retour. Me dire que là tous les deux là c'est un retour. Et qu'ils doivent se barrer, en gros les retours ils devraient se barrer. En fait le mieux c'est que je les fasse voler jusqu'ici. C'est pas pratique. Voler. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme voler, mais genre envoyer genre là et là. C'est possible. Lui, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il vient de là? Non. On peut pas dire qu'il vient de là. Lui, on peut dire qu'il vient de là. Oui. Et on peut dire qu'il vient de là. Le problème, c'est que si on dit qu'il vient de là, ça va me bloquer là-bas. Je vais regarder comment... Parce que je me souviens plus exactement comment j'avais fait ici. Là, la sortie est restée sur le bord et petit à petit est décalée vers le milieu. Donc si on prend par exemple le premier, là, il reste sur le bord. Hop, juste après il bifurque. Juste après il bifurque et toujours d'un seul en plus. Et après il est en dessous et en dessous... merde. Entendu où ? Et juste après, il est prêt à resservir, ouais, c'est ça. Juste avant du coup. En fait, mon reste, imaginons qu'il est là, va bifurquer au dernier moment et il va arriver. Donc, ouais, en gros de là, imaginons il va passer là quoi. Il va vraiment bifurquer de 1. Donc au début ça fait ça, puis ensuite c'est un peu comme si ça faisait ça. Ça faisait ça. Mais ça, il doit se rebarrer dans l'autre sens. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est qu'en fait, le mieux, ça serait que j'arrive à choper un et qu'il fasse comme ça. Et l'autre qui fasse pareil, mais dans... Ouais. On va essayer. On va essayer. Alors.
ici. Pour ça. Ouais, ça va être tendu, hein, tout ça. Hein. Ça va être tendu, cette histoire. Hein. Parce que là, ça, le problème, c'est que j'en ai deux à la fois, en fait. En vrai, j'arrive à réfléchir différemment. Mais comment? Comment réfléchir différemment? J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être, peut-être, je dis bien une idée. Une idée en plus qui est tellement plus simple. Si j'y arrive. Oula. Plus je retirais vraiment ce qu'il fallait. Sauvegarde qui fait bien bugger. Ah tiens, je vais retirer ça aussi, ça ne sort pas. En fait, mon idée est bien que là j'ai un peu de largeur. Avec cette idée, je pourrais en mettre vraiment beaucoup, voire sans limite en longueur d'affilée. Et l'idée toute con, c'est d'utiliser un répartiteur. Enfin, des répartiteurs. Imaginons, là, j'ai mon arrivée de répartiteur. Je le fasse au bon endroit, je sais jamais. Je vais essayer. Oui. C'est que là, j'ai mes répartiteurs. Hop, en plus, avec les étages, c'est impeccable. Oh, mais oui, mais c'est tellement plus simple. Tellement plus simple. Et encore là je peux regagner de la place, c'est pas assez pas beau. Hop, donc là c'est le milieu et je vais vouloir le décaler d'un. Et normalement ça sera bon aussi. Voilà, c'est que là, fait comme ça. En fait là, ma stratégie elle va reposer sur la surcharge. Vu que je vais au tout début, je vais envoyer à balle de produits. Ça va surcharger le système, entre guillemets, de ressources entrantes. On va le rapprocher, ça. On va le rapprocher aussi. Et vu que ce sera surchargé dans tous les cas, même si les répartiteurs c'est censé faire 50-50, un tiers, s'il y a trop de choses, on va dire, il y en a trop, par exemple, imaginons il y a une sortie qui est pleine, lui il va tout faire sortir sur l'autre sortie. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que j'essaie de faire. J'ai mon entrée, là, hop, juste devant ici. Imaginons que j'ai trois sorties, que celle de gauche, celle du milieu soit pleine. Plus remettre, et que celle-là, elle est pas pleine. Et ben en fait, il va tout faire sortir par là, et il va pas continuer son calcul du « Ok, faut que je divise en 3. » Et je vais utiliser ça. Je vais essayer d'utiliser ça comme principe. Là, alors, ok, on veut l'entrée. Tac, tac. Hop, hop, hop. Hop. Et là en plus vous voyez, si, quand je fais sortir, bah, j'aurais juste à dire ouais, bah là j'enchaîne. Et oh, le gain de place et tout, ah ouais. Ah ouais. Le répartiteur comme d'hab. Ah, il va me falloir une rangée de répartiteurs et 4 rangées de répartiteurs et 2 rangées de... 2 ou une rangée je pense de regroupeurs. Allez. Là j'ai juste quoi à faire, j'ai juste ça.
suppose que j'ai fait la même ici. Oui. Oh la vache, mais... Oh la vache, oh mais c'est... Je peux même économiser de la place en faisant... Économiser de la place, non. Je pourrais... Ouais, si, si, j'essaierai juste après. Et là, en fait, on aura juste les sorties aussi. Bah, de... Donc, c'est pour ça que je vais mettre un regroupeur de convoi. Donc, imaginons, là, je mets un groupeur de convoi, ça sort de l'autre côté. Là, hop, là, ça reviendra de là. Toi, il reviendra par là. Et il y aura juste à dire, hop, t'enchaînes. Et ouais... Ok. Je vais essayer, je dis bien essayer de le faire sur 3 de largeur. Ça va être compliqué. C'était pas droit en plus. Bravo moi, c'était pas droit du tout. Alors, non. Logistique, non. Production, merci. Voyons voir, le mieux ce serait de le faire. Comme ça, ouais, mais là c'est... C'est chaud. C'est totalement possible, mais c'est chaud. Ça demandait une meilleure gestion. Celle de mettre les convoyeurs... différemment. Les répartiteurs, je... oui, non, les deux. Alors, bon. On va essayer de mettre de la lumière comme tout à l'heure. C'était dans quoi? C'était là. Pour d'éclairage là. Hop. Allez, éclaire-moi par là. C'est bizarre, il me semblait avoir vu la flèche d'éclairage par là, moi. Après je dis ça, je dis rien, mais d'accord que la flèche d'éclairage elle est par là. J'ai dû le tourner sans le faire attention. Ouais, j'ai dû, on va dire. Il me faut dans un fil s'il vous plaît. Ah non, c'était pas sur le fil. Voilà. Ouais. Bon, c'est mieux que rien. Mais non, c'est terrible. Attends, mais c'est éclair au pied, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est vraiment une tour d'éclairage qui éclaire à ses pattes. Bon. On l'a rechangé de position. On va y arriver. Ok, c'est bon. On est mieux. Alors, je disais... On va mettre les assembleuses un tout petit peu plus au milieu. Ça va me servir, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Hop, on va les mettre là, on sera bien. On va les mettre ici. Donc comme je disais, on va avoir besoin de répartiteurs de convoi. Et je pense que là, ce serait le mieux. Bon, même on peut mettre plus loin, hein. On n'a pas de... Je pense pas avoir de réels soucis. Je vais voir au cas où si je peux le rapprocher, ça peut toujours aider. Alors, tac. On est d'accord, on est décalé là. Non, on n'est pas du tout décalé. Hop, là et là. Voilà. On est d'accord, c'était le plus près que je puisse faire en le mettant... comme ça. Donc comme on disait, on a nos deux là qui vont là. Non, monsieur. Ah merde. Il m'a placé et celui du tueur aussi, il m'a placé. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont tous mal placés quoi. Voilà.
On a ça, on a ça. En plus, ça se chevauche pas, c'est parfait. Et là, à la sortie du machin, il me faut. Ça touche là ? Quoi ? Il n'y a rien qui touche. Regarde, c'est parfait. Hop. Quoi encore ? Oh, je me suis trompé, c'est pareil. C'est fou ça. 1 et 2. Un convoyeur. On va mettre le même ici. Ok, on est comme ça. Donc là pour le coup par contre on est collé de chez collé. Hein. C'est ça qui va me déranger. Attends quoi? Qu'est-ce que... Ok ouais, c'est parce que mon assembleuse est mal mise. Mais c'est chelou, c'est pas normal. Voilà, là on est plus serré déjà. Clairement. Ah bah y'a pas photo là. Hop. Hop. Voilà, on a tout qui passe. Oh, c'est pas très très beau. Il y a une échelle à moitié en plein milieu, mais c'est pas très grave. Au pire, je peux faire un petit décalage. J'allais dire, je peux faire un petit décalage, mais le petit décalage, il est là. Il est clairement pas sur la même, sur le même endroit. Aussi c'était pas ouf là, vous voyez, en fait je peux le faire passer comme ça, hein. Oh, pile là où il y a l'échelle, c'est où le plus large? C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est là. Allez hop. Ça se voit pas. Bon, en vrai c'est pas beau. Ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça beau. Je vais le faire mieux. Hop, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche, ça, ça par là, ça, ça par là, ça par là, ça par là. Et on va faire pareil ici. Ça évitera de passer en plein milieu. Surtout que là, je prends du temps pour le faire, mais ensuite, plus besoin de s'embêter. C'est quand même pratique. Ah, par contre, je crois que je me suis trompé de sens là en faisant mon truc. Non, non, mais non, pas du tout. Un répartiteur, ça. Ça ne pose pas de soucis. Par contre, là. Mais merde. Oh, des. Oh, voilà. C'est bizarre, ça. Pourquoi ça n'a pas voulu? Donc j'ai plus de pylônes en plus là. Comme ça j'ai des pylônes, j'ai laissé les pylônes. Bah non. Bon, c'est chelou. Passons. Ah, voilà, je suis bloqué par mon échelle. C'est ballot. Oh, c'est... Oh, la lumière par contre. Ah ouais, dès que t'as un peu de lumière, c'est... Oh, c'est compliqué. Hein. Oh, la moindre lumière, elle est compliquée à calculer pour mon PC là. Je vais baisser la. Ouais, ouais. Je vais baisser un petit peu les. Petit au lieu, hein. Je vais mettre normal. Qualité des lumières sur tout ça.
distance d'affichage. Je vais pas changer la distance d'affichage. Ah, c'est mieux. Puis on voit presque pas la différence. Moi perso, je vois presque pas la différence. Hein. Bon, après, tu me diras, il fait nuit. Peut-être pour ça aussi. Là on est comme ça. Là je voudrais pas dépasser. Ouais, je vais retirer les deux répartiteurs ici. En fait je vais pas vouloir dépasser la longueur. Là déjà je suis à peu... Non non ça va. J'aurais juste à relier. Ici ça va pas jouer à grand chose mais ce sera bon. Là mine de rien, ouais ça va en faire en longueur. Hein. Bon après c'est le truc qui est long aussi. On va partir sur du 3 de longueur. Et une fois que ça sort, bah, il me faudra surtout les regroupeurs. Alors le regroupeur, voyons voir. 1, 2. Est-ce que j'ai moyen moi de faire... Tout simplement, vraiment pas me prendre le chou là-dessus. Hop là. Et que là ça parte jusqu'au prochain regroupeur. C'est tout. C'est-à-dire que là je relis, tac, comme ça là, putain. Et ce sera bon. Je pense qu'on est correct. Je pense que c'est bon. Ça aura pris un bon temps, mais... Je pense que c'est plutôt bon, hein. Alors, bon c'est là où... C'est là où faut être bon. Modifier. Non. Modifier. Ajouter une nouvelle catégorie. Assembleuse. Ajouter une sous-catégorie. 5L. Ah. Et c'est 2 ressources. 2 R. J'applique les modifications. Je vais juste aussi modifier ça. Modifier ça. Sélectionner un icône. Pareil là, c'est constructeur. Ok. On applique les modifs. Voilà. Ensuite, c'est là où c'est... 5 L 2 L 2 R 5 longueur. De largeur. De ressource. Le répertoire ça sert à rien. Ça c'est... bah elle est où l'assembleuse? Elle est là. Couleur je m'en fous, je les vois pas. Comme ça au moins c'est bon. Ça me coûte rien en plus. Non! Oh c'est bon. Parce que le jeu a tendance à crash des fois. Et c'est moche. Là si ça avait crash à ce moment là, ça aurait été très compliqué. Compliqué. Allez, on bascule ça dans les assembleuses. Et voilà, on applique les modifs. Ce qui fait que... Je garde ça pour l'instant, on va voir par la suite. Dans tous les... Bah non, je suis même... En plus, ce qui fait que je suis même pas obligé de le faire plus loin, parce que ce sera bon en hauteur, parce que j'aurai gagné de la hauteur. C'est magnifique, c'est... Oh là, c'est sublime. Sublime. Les poutres, ok, elles arrivent de ce côté-là. Ouais. Donc là... Ouais, bon après, voilà, mais... Là, si je fais prod... Blanc... Assembleur...
C'est pas le plus simple à poser par contre. En fait, ouais, faudrait que je le pose comme ça parce que là, je sais que je veux pas que ça dépasse un truc. Genre comme ça. Je crois que c'est comme ça, hein. J'aurais peut-être le faire un pouilla plus loin. Je vais peut-être le faire là. Et là, tout ça, ça se construit. Au niveau de ça, c'est bon. On est pas mal. On est pas mal du tout. Je vais retirer ça et je vais voir pour faire les quatre autres. Il m'en faut quatre des assembleuses comme ça. Hop, vider le modeleur. Et si je fais ça, je récupère tout. Ça, c'est magique. Toi, c'est bon, j'ai plus besoin de ta lumière. Ah, ça consomme même aux journées. Ah, c'est triste. Bon, il y a un truc qui a bugué en plein milieu. On ne relèvera pas. Et là, si je me trompe pas, c'est ici. Je sais pas si là. Ok. Là, c'est censé arriver pile devant. Là, la sortie, ça. Oh. Ah, c'est dommage. C'est presque parfait. Je comprends la pente raide en vrai. Je vais voir si je peux le replacer. Genre. Mais ce serait que j'arrive à le foutre là. Merde, juste derrière en fait. J'arrive à le foutre juste derrière, genre. Voilà. Ça sera peut-être pas plus simple, hein, ni pour la montée, mais ouais. Ah, ça c'est le côté moche, ça. Ça, c'est dommage. Je mettrais pas un autre groupeur, genre. Ouais, non. Bon, déjà. Pour le premier, ça pose pas de soucis. Hein. Oh putain, je les ai pas mis dans le bon sens. Il est pas dans le bon sens, mon groupeur, là. J'oublie qu'il y avait encore ces soucis là. Bon, les premiers, on s'en fout, on s'en fout. Ah si, l'entrée est du bon côté là. Ah merde, mais c'est la sortie qui est pas du bon côté. Oh merde. Ah ouais, je crois que sur mon plan, j'ai pas fait attention à la sortie. Ah, c'est une entrée sur mon plan. Je vais faire ça mieux alors. La sortie est bonne. Peut-être aller un peu loin. Bon, ok, ça déjà. Une chose de fait est qu'elle est bonne. Ensuite, ça c'est plus. Oh, par contre, vraiment. Enfin, ça passe là? Pardon? Comment ça?
Je vais essayer de tricher un peu et je vais voir si je peux faire ça sur mon plan. Ça passe pas. Là ça se fait mais... Et on voit qu'il a de la marge et qu'il utilise pas tout. Et... C'est pas ouf. Ouais on va voir. Alors il est dedans là, il est dedans mais non il est pas dedans d'ailleurs. Cible non valide, 1-2. Et si je le fais dans l'autre sens? Je vais finir par t'avoir mon ami, je vais finir par t'avoir. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Comme ça et... On va voir déjà si... Ah, et si comme ça il dit oui ou pas. Non. Peut-être moyen de le choper en latéral alors. Là c'est proche, je comprends qu'il veuille pas. Essayer de le mettre juste devant. Trop incliné, sérieux non tu m'as déjà fait des pentes 10 fois plus... T'abuses mon ami. Ouais bon y a un peu de foutage de... Hein? Bon ça on sait que c'est bon. Ici normalement je peux passer là. C'est légèrement abusé quand même. Bon. Mais là je veux pas parce que ça dépasse un petit peu. C'est pas grave, je vais devoir mettre du convoyeur. Je vais mettre un convoyeur vertical, c'est dommage mais... ce sera pas ouf mais bon. Bah je vais modifier mon plan en direct alors. Je vais chercher mon modeleur. Oula, oh c'était prêt ça. Faut pas faire attention. Charger un plan. Hop, ça déjà, je dois faire gaffe que ça soit du bon sens en regroupeur. Non, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Il est où ensuite? Tac, tac, tac. Ok, ça sera bon. Ensuite, ensuite. Où je chope le milieu, logistique, MK3, le milieu c'est là, le milieu c'est là, donc là ça prend, et je fais sortir ici, on est bon en hauteur, je pense que là on est bon. Tac, tac, en plus je peux faire ça, ça me pas me prendre plus de temps. Oui. Tac, tac, tac. Ok. Si je fais comme ça, on est bon, hein. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Là, ça va direct dedans. Et là, il n'y a plus qu'à tirer une ligne qui fasse comme ça, là. Ah. Ça, c'est moche. Ah ça c'est moche. Faut que je vois ici comment je peux le faire. Est-ce que je l'avance? Est-ce que j'ai la place pour l'avancer? Là c'est bien beau mais...
En plus, il va me dire non parce que la forme du convoyeur n'est pas adaptée. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce passage. légèrement décalé, est-ce que je peux... Là, ça touche pas vraiment. Donc là, déjà, c'est une bonne chose. Là, on est bon comme ça. Là. Ah, à fond. Là, on est bon. Là. Bah, c'est en face. Ok, ouais. Je vais voir le décaler un... bah non, j'ai pas besoin de le retirer, moi, je suis... Je vais voir le décaler un pouya, c'est pas un problème. Oui. Tac, tac, tac. Tac. Non, il est pas bon. Là, il est bien en face, par contre, de cet endroit-là. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Et là, ça se rejoint aussi. Normalement, on est symétrique. Oui, on est symétrique. Là, et là, et là. De toute façon, on a une seule entrée qui va se faire là, donc là, on s'en fiche. Ok. Je vais modifier là. Dommage. Hop là. Convoyeur, bonjour, bonjour, monsieur le convoyeur. Tu vas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, et tu avances de... Ah, s'il te plaît. Comme ça, parfait, t'as tout compris. Hop, on centre. Là, on est centré par rapport à celui-là. On va centrer par rapport à l'autre. On tourne. Ah. Voilà. Je le sauvegarde. Sauvegarder le plan. Il est bien dispo dans mon répertoire. Hein. Oui, dans mon répertoire. Ok. Ce qui fait que pour le prochain, ce sera bon. Là j'en ai pas besoin de plus, donc je peux pas en faire en rab, ça sert à rien. On va pas en construire plus que nécessaire pour l'instant. Mais je verrai au cas où. C'est sauvegardé, hein, on est d'accord. Oui, allez, vider le moteur. On récupère tout. Et on est bien. Ah, faut que j'alimente. Faut que j'alimente et faut que je configure aussi. Ça les zappé ça. Donc c'est poutre en béton armé. Poutre en béton armé, ça me consomme 24 par minute, 48. 48 fois 2, 96. 96 de... En acier par minute. Oh, c'est beaucoup, 96 en vrai, oh la vache. Parce que la poutre en acier, on n'en produit pas des masses non plus. Hein. On est 15 par minute par sortie. 96, 95. Ah, je vais en produire combien? 105, j'en ai envoyé 105. Quarante-cinq, 90, 105 avec ça et faire sortir ceux de là. Je vais les faire arriver là, au groupeur. Alors j'en ai où déjà? C'est lesquels ceux-là? Merde. C'est lesquels? Attends, un. Je suis persuadé d'en avoir retiré deux. Qu'est-ce que j'ai branlé? Pardon. Ok, là j'en ai un. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, bah oui, forcément. Heureusement ça passe comme ça. Hein. D'accord. Hein. Attends. Oui. Voilà, ce qui fait qu'on aura ça de poutre en rab, c'est une bonne chose. Que là toutes les poutres, je vais juste faire diviser par deux. Je vais les envoyer sur le sous-sol. Allez. Répartiteur s'il vous plaît.
Ah, la bonne question, c'est est-ce que je l'envoie comme ça ou comme ça? Oui, si je vais les envoyer là. Pas plus simple. Hop, tac. J'ai pas fait l'entrée du répartiteur ici, hein, je me suis trompé. Ah oui, apparemment. Ah, on a un répartiteur en bas. Faire pareil pour le béton, mais en haut, vous voyez, ça va remplir. Par contre, c'est long. C'est un MK3 ici. Voilà. Ah, ça me fait un paquet, attends, là, si ça bouchonne. Comment ça se fait? C'est du 15 en plus, je suis pas fou. C'est vrai que là pour le coup il va falloir de bons. En fait il me faut de bons convoyeurs. Là je m'en fiche. Mais tout le long il me faudra de théorie de bons convoyeurs. C'est pas, après c'est pas très grave. L'arrivée du béton. L'arrivée du béton. Qui se fait là? Hop, on va le faire passer. On va le faire passer par au-dessus ou pas? Oui. On va le faire passer là comme ça par dessus. Alors c'est à peu près droit quand même par rapport à ce qu'on fait. Dit-il en foutant le truc totalement de traviole. Ça me fume. Ouais, on va faire ça droit, allez. Bon. Alors par contre oui, je suis comment? Je suis vraiment le bord du machin. Hein. Ouais, donc je suis comme ça. Hop là, je vais foutre un deuxième répartiteur, mais dans l'autre sens. Comme ça, là, j'ai juste à me brancher. Là, c'est tout droit. Et là c'est tout droit. Celui-là j'en ai en théorie pas besoin. Ouais, je vais jarter. Même pas en théorie si j'en ai pas besoin tout simplement. Est-ce qu'ils sont pas... oui. Je les ai pas alimentés je crois par contre. Bingo. D'alimentation là qui va venir jusque là. Hop là. Et qui va aller jusque là. J'évite autant d'utiliser. Oui, tu me dis, c'est vrai que là j'aurais peut-être pu pour une fois utiliser les trucs au plafond, mais bon. Ah bah ça fonctionne déjà, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Ah oui ça... ça stocke tout hein, là ça stocke bien tout. Forcément ça va pas aller plus loin donc là je vais pouvoir arrêter tout ça, mais... et ça jugule bien hein. Par contre ici ça a pas l'air de fonctionner. Je les ai pas fait se rejoindre les poteaux. Voilà. Franchement, ça y va tout seul. Tout seul. Ça, pas besoin. Mais pour une prochaine fois, on aura ce qu'il faut. Ça, c'est cool. Le seul truc qui va nous intéresser, c'est ça. Qui va partir dans un regroupeur qui sera là. Qui
pourra sortir par ici, ce sera mieux. Et tu es trop avancé, on va te faire reculer d'un. Voilà. Impeccable. Franchement, n'est-ce pas magnifique? On a une belle poutre en béton ramé là. C'est juste des poutres et du béton. Hein. Pour le coup, ils sont vraiment pas fait chier. Hein. C'est. Ils ont foutu, enfin plutôt du. Ils ont foutu du béton autour du poutre quoi. C'est... Bref. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. T'as 1h41. Eh ben on aura vu comment j'ai fait ben, un peu pour le reste, hein. C'est le même principe que pour le reste. Bon là j'ai un peu, j'ai vraiment galéré beaucoup à le faire. Tu me diras un peu aussi pour le reste mais un peu moins normalement. Ouais. On a trouvé un pattern pour les assembleuses donc pour le faire et sûrement pour le reste. Hein. En fonction de la consommation j'utiliserai ce même pattern pour les constructeurs. Je trouve que c'est plus beau ça parce que c'est stylé, c'est plutôt simple à faire. Mais c'est vrai que dès qu'on a 2 ou 4 consommations, c'est tout de suite plus compliqué. C'est vrai que d'ailleurs, plus tard, il y aura les... comment ça s'appelle ça? Il y aura les façonneuses. Les façonneuses. Ça déjà, ça prend plus de largeur. Hein. La vache. Attends, ça prend plus de 2 ou... La vraie question c'est est-ce que ça dépasse. Oh, bon, de toute façon j'ai même pas de quoi la construire. Eh ouais ça dépasse. J'ai bien l'impression que le milieu là, puis le milieu. Et que ça dépasse un pouilla sur les bords. On pourra trouver voilà un moyen pour alimenter ça. Il y a une belle bestiole. Ouais. Sacrée bestiole. Il reste encore plein de trucs à faire. Attendez, je regarde mon document. Vraiment là. Tout ce qui est quartz, silice. Ça, je m'en fiche un peu. C'est matériaux bruts, ça ira plus tard. Plaque de fer renforcée, cadre modulaire. Rotor, stator. Moteur, circuit imprimé. Cadre modulaire lourd. Ordinateur, connecteur haute vitesse, contrôleur d'IA, oscillateur à cristal. Encore tout ça à faire. Mais ça avance, mine de rien. Et ce qui sera bien, c'est que plus tard on débloquera, je l'ai pas encore vu, mais. Un répartiteur, je sais plus quoi, c'est plus intelligent, c'est derrière. Mais... En gros, on pourra dire, bah, y a telle quantité qui va là et telle quantité qui va là, et ça c'est super. Rien qu'avec les répartiteurs intelligents, là je pourrais faire un système de tri automatique. Mais pareil ça on verra dans quelques épisodes. Sur ce je vous remercie à tous d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. C'était Thiob.